La pénurie des maris, la pénurie des maris, la pénurie des maris, la pénurie des maris dans Lady vous écoute, nous ne radotons pas. On entend dire que ça et là, il aurait des femmes qui ne trouveraient pas de mari. Mais comment donc? Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus de la moitié de la population? On ne sait pas. Nous allons revenir sur cette question avec quatre invités que je remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, Monsieur Tiambel Kimbayara, bonjour. Bonjour. Journaliste et directeur de publication La Voix du Mali, c'est vous. Et du Mali, tout droit venu nous voir, c'est Rokiatou Doumbia. Bonjour. Bonjour, Lady. Vous êtes journaliste à l'ORTM. Et puis avec nous sur le plateau, Monsieur Charles Zadi, conseiller en communication, mais journaliste aussi de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Et à vos côtés, artiste ivoirienne, c'est Galé Djeza. Bonjour. Bonjour. Nous allons annoncer votre concert, car les artistes sont toujours une actualité. On va commencer par cela. Ainsi, ce sera chose faite le samedi 23 mai 2015. Vous avez donc un concert. Pourquoi un concert ? Voilà, j'ai fait ce concert par rapport à mon deuxième album. Oui. Voilà. Bon, donc, alors. C'est une dédicace, soirée dédicace. Soirée dédicace de 21h à l'aube. Si vous n'avez donc pas déjà un rendez-vous le 23 mai, vous savez désormais où il faut vous trouver. Nous rentrons dans notre discussion en vous rappelant l'adresse tout de même. C'est au 12 chemin Moulin Bassé. 12 chemin Moulin Bassé, c'est à Saint-Denis dans le 93. À cet endroit-là, c'est là que vous trouverez notre artiste sur le plateau. Pénurie de Marie ? Pénurie de Marie. Peut-être négligence ou la fuite par rapport aux traditions. Parce que le mariage, c'est une institution. C'est une institution et c'est le premier noyau de la cellule familiale en Afrique. Le mariage ne se fait pas entre deux personnes seulement. C'est deux clans, deux familles, deux villages, ainsi de suite. Et pourquoi donc pénurie? Pourquoi cela deviendrait rare des maris? On a l'impression de voir des maris potentiels ça et là, mais pourquoi il y aurait une pénurie? Quand on fuit ces valeurs-là et que le mariage n'a plus sa considération, cette conception de lien entre deux familles, deux villages, deux conceptions, si ça devient individualiste comme en Europe et qu'on change de paramètre, de prisme, de regard, alors on se retrouve dans une pénurie forcément. Quand on s'interdit de se marier à quatre, encore quand on est musulman, on peut aller jusqu'à 12 ou à 22 quand on est sous une coupole royale. Quand on s'interdit tout cela et que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, et alors bien sûr, il y aura pénurie. On va prendre l'avis des femmes, mais avant cela, M. Zadi va intervenir. Alors, on entend dire qu'il est des pays, et encore, ça n'est pas propre à tel ou tel autre pays, mais en tout cas, qu'il est des femmes qui n'arriveraient pas à trouver de mari alors qu'elles voudraient se marier. Monsieur nous dit que parce que les femmes sont regardantes, elles ne voudraient pas, par exemple, épouser un homme qui a déjà d'autres épouses par ailleurs. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Quel regard portez-vous dessus? Premièrement, je me permets d'apprécier la réponse de mon frère, que je trouve juste. Lorsqu'il affirme que le mariage est une institution en Afrique, je dirais même c'est au-delà de l'Afrique, c'est une institution universelle. Maintenant, bon, le problème tel qu'il se pose aujourd'hui, pénurie de maris, oui, je parlerai globalement en transposant, en recadrant le thème à ma façon, je parlerai de la crise du couple. Oui, c'est une réalité. Lady, vous avez bien vu raison, c'est un thème qui vaut d'être débattu. Et moi, je peux dire que l'institution du mariage en question, dans le cas particulier de l'Afrique, doit connaître des évolutions notables. Puisque, par exemple, donc ce problème sociétal doit évoluer avec les réalités d'aujourd'hui. Moi, je suis bété en Côte d'Ivoire. Chez les bétés, quand on se marie, depuis la nuit des temps, on dote la femme. Peu importe ce qu'on donne, puisque après tout, il y a l'acceptation de ceux d'en face qui reçoivent la dot. Donc la dot peut être élevée. Plus elle est élevée, ça affirme la force, la capacité matérielle du mari de pouvoir, aux besoins de sa future épouse, ou alors d'affirmer même qu'il aime sa femme. Je crois que c'est un aspect qui est un peu généralisé aussi. Maintenant, dans des coutumes comme celles sont musulmanes, il se trouve que pour se marier, les choses sont encore moins compliquées. Il faut attacher de la cola, il faut obéir à un certain nombre de rites. Et puis, on y va. Mais ces choses aujourd'hui, quand on dit le musulman peut avoir 3, 4, 5, 22 femmes maximum, ces choses aujourd'hui... Quand on est musulman, ça ne répond pas
aux réalités d'aujourd'hui. On aurait pu dire que c'est quelque chose qui est aux antipodes. Donc du coup, oui, tout cela amplifie le fait de la crise du couple, d'où le mari peut manquer. Maintenant, après, il y a les critères de choix. Alors, on va revenir sur ces points-là. Je voudrais, messieurs, vous remercier pour ces premières précisions que vous avez apportées, mesdames. Est-ce que vous êtes d'accord? Je disais, Rokiatou, vous arrivez du Mali. Oui. Est-ce que là-bas, en ce moment, il y a pénurie de maris ou pas? Avez-vous eu connaissance de quoi que ce soit? Lady, merci beaucoup. Mais je ne parlerai pas de pénurie de maris. Je vais recadrer encore le débat et puis dire qu'il y a une pénurie de mariage même entre hommes et femmes. Parce que les hommes, de leur avis, ils ont des barrières qui se sont fixées. Et les femmes aussi, ces barrières existent aussi pour elles. Donc là, ça amène les deux côtés à se dire que vraiment, j'ai peur d'aller vers le mariage. Ce n'est pas une question, parce qu'il y a les hommes qui sont là, il y a les femmes qui sont là. Nous sommes en couple, on peut vivre ensemble pendant des années, mais après ça, quand il faut venir au concret, c'est-à-dire au mariage, c'est les questions qui ressortent. Et quelles questions encore? Il a parlé tout de suite à Tchambel Guimbayara, il a parlé de polygamie. Quand tu sais très bien que ça ne va pas entre les deux épouses qui sont déjà chez le bonhomme, comment toi, en tant que jeune fille, en tant que femme non mariée, tu vas venir en rajouter encore? Donc tu vas réfléchir à deux fois avant d'aller vers ce mariage. Est-ce que ce sont... Monsieur avait l'air de dire que ce sont des femmes beaucoup trop compliquées. Non. Il y a des maris disponibles et elles n'en veulent pas parce qu'ils sont déjà mariés. Et les hommes aussi, ils ont raison quelque part de ne pas prendre une femme parce que avant, il a parlé des mariages d'avant. Avant, on se mariait parce que c'est la famille qui nous donnait un mariage. Avant, on ne suivait pas un garçon comme ça. Tu ne pouvais pas sortir avec un garçon. Tu devais te marier vierge. Excusez-moi du terme. Ah bah, c'est un terme qui a sa place, il n'est pas obscène du tout. Et puis, tu ne pouvais pas comme ça aller vers un garçon. C'est tes parents qui choisissaient le garçon et tu étais marié en fonction du choix de tes parents. Mais maintenant, on ne veut plus de ça. On veut choisir, on veut être aimé et on veut aimer d'abord avant d'aller vers un mariage. Et après, tu fais un an, deux ans, trois ans, dix ans avec le seul garçon. Il en a marre avec toi, il va aller chercher une peau fraîche plus que toi et puis ça va aller quoi. Donc là, chacun a sa faute dans ce qui se passe aujourd'hui. Chacun sa part de responsabilité. Oui, c'est ça. Alors, on va prendre votre avis, Galé Djeza. Est-ce que, déjà, que pensez-vous de ce qui a été dit, déjà? Je vous remercie. Ce qui a été déjà dit dans ces débats sur le problème de la pénurie de mariage, franchement, ça n'est c'est de l'actualité en tout cas. Vous confirmez qu'il y a des femmes qui voudraient se marier, mais qui ne trouvent pas de mari. Qui ne trouvent pas de mari. Et pourquoi, à votre avis? Ben, moi, à mon avis, ça, comme elle a dit... franchement, chacun des cas, chacun a sa part de... Quelle est la responsabilité des femmes, à votre avis? La responsabilité des femmes, c'est... Des femmes, moi, je mets la responsabilité sur les hommes. Alors, expliquez-nous, pourquoi, à votre avis, les hommes sont responsables de cela? Parce que c'est un homme qui peut aller vers une femme pour lui demander soit la main... pour la mettre chez lui à la maison ou bien pour lui dire les premiers mots déjà. Mais à nos jours, les hommes aussi, comme il y a tellement de modernité, les hommes veulent maintenant que ce soit les femmes qui aillent demander leur main. Et est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qu'ils se disent si ça n'est pas une telle qui demande ma main, une telle autre le fera? Oui, il y a plus de femmes. Oui. Mais est-ce que vous pensez que les hommes ont peur du mariage aujourd'hui? Bien sûr. Et de quoi aurait-il peur? Peut-être parce que maintenant, à nos jours, les hommes se marient à raison de l'accadrement de la femme. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette femme représente? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Mais de l'amour. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? De l'amour. Pas de l'amour. Pas de l'amour seulement. Financièrement. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Là, vous êtes en train de taxer les hommes de matérialisme. Non, bien sûr. Mais non. Mais c'est la réalité. On va vous retourner cette accusation. C'est la réalité. Parce qu'avant, ça ne demandait pas tout ça. Donc, vous êtes en train de nous dire que celles des femmes qui voudraient se marier aujourd'hui et qui ne trouvent pas de mari, c'est parce que peut-être, elles ne seraient pas suffisamment fortunées.
dîner et que ces messieurs se diraient, bon, ben, on va en attendre une autre qui a des espèces sonnantes et trébuchantes. Qui peut m'apporter au moins quelque chose financièrement. Bon, alors, messieurs, c'est cadeau pour vous. Foyer. Monsieur Zadi. Oui, bon, les femmes ont commencé à faire le procès des hommes. Je crois que ce plateau, c'est, je crois que c'est ce qui vient de Dieu en solidarité, à savoir que les hommes sont regardants du côté matériel envers les femmes aujourd'hui, ou alors veulent se faire draguer. Et mais toujours est-il qu'ils posent la question de savoir, mais qui vient vers moi? Bon, c'est pas faux, mais non plus, depuis toujours, vous le savez, c'est les femmes qui sont championnes en la matière. Championnes en la matière de quoi? D'être regardantes du côté des capacités matérielles de l'homme qui vient vers eux. Mais c'est une affirmation gratuite, monsieur, peut-être. Non, voulez-vous justifier votre argumentation? Je peux bien le justifier. Oui. Par exemple, nous sommes en France aujourd'hui. Il y a des femmes qui vont demander, si vous avez une maison... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais c'est normal, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve dans la rue, elle va faire des enfants, cette femme. Part. Mais oui. Oui, mais il se trouve que souvent aussi en France, on loge déjà la femme. Et on loge beaucoup plus la femme. Même, quand bien même j'en connais, je ne vais pas les citer, je ne vais pas me permettre de citer. Non, on ne va citer le nom de personne. Elles ont une maison, elles ont le minimum. Elles vont exiger que ce soit l'homme qui fournisse tout cela, plutôt que de rechercher, je ne dis pas tout, hein, plutôt que de chercher à mettre les moyens ensemble pour constituer une force unique, comme on dit toujours, l'union fait la force. Donc les femmes, on pose plus de barrières, je crois que c'est du fait de l'émancipation. Nous sommes tous pour l'émancipation, on ne va pas dire comme les femmes posent trop de critères pour se marier, alors on va faire reculer la société, mais je crois que sans en être très sérieusement autorisé, je suggère aux femmes de faire moins de barrières, moins de critères, de manière à ce que cet assouplissement puisse nous emmener à nous croiser. Parce que la société, tout le compte fait, elle nous a fait pour qu'on vive ensemble. Rokiatou. Et si on revenait un peu en arrière, si on regardait comment les mariages se passaient entre les familles, là, il n'y avait pas question de pénurie du mariage. Et si on revenait un peu en arrière pour demander à nos parents, comment vous aviez fait pour pouvoir vous marier entre vous? Mais est-ce que ce qui a été fait à une époque est forcément valable aujourd'hui? C'est pas forcément, c'est pas forcément valable aujourd'hui. Mais si on se met à la place de nos papas, si nos hommes se mettaient à la place de nos papas, ils n'allaient pas regarder l'avoir de la femme avant de s'engager vers le mariage avec cette dernière femme. C'est pour cette raison que j'ai dit que les hommes sont devenus des matérialistes aujourd'hui. Et c'est mais ce matériel-là qui pose problème. Les mutations sont devenues nombreuses et rapides. On ne peut plus revenir dans l'institution du mariage ancienne. Le mariage ancien était là, mais on ne doit pas aussi laisser le tout et puis se dire on est au 21e siècle. Si vous êtes d'accord, on va quand même tâcher de prendre en considération l'époque au sein de laquelle nous vivons. Il y a le bon vieux temps, avant la guerre ou je ne sais pas quoi d'autre, mais aujourd'hui, encore une fois, la réalité depuis le temps que nous parlons, voilà, je ne sais combien de femmes qui sont effondrées, pleurant dans leur mouchoir en disant je ne trouve pas de mari, alors qu'il y a des hommes. Les hommes ont-ils peur du mariage? Monsieur. Les hommes n'ont pas peur du mariage. De quoi ont-ils peur? Mais les hommes sont devant un fait accompli. Une fois qu'on a mis hors de ta nuit cette considération, cette institution, qu'on se retrouve parmi des femmes qui sont avocates, magistrates, qui sont journalistes ou vendeuses tout simplement au marché, qui se soucient de leur bien-être et d'avoir un enfant, qui se soucient, qui sont assez beaucoup plus regardants par rapport à ce que ma coépouse peut faire ou cette dame de renommée peut faire dans un baptême, dans un mariage, dans une grande fête, qui se soucient beaucoup plus de cela que du bien-être de leur mari, alors il y a un problème, qu'il s'appelle pénurie en Afrique, ou rareté, ou fuite de la polygamie, qu'il s'appelle ici femme isolée, ou ailleurs tout simplement femme chef de famille. Donc, nous sommes devant un fait accompli, devant une situation qui dépasse l'engagement, le volontarisme des hommes. Parce que les hommes, à un certain moment, ils s'occupaient bien de leurs femmes. Donc, la femme n'avait pas besoin d'aller chercher cette autonomie financière. Ah, si vous demandez l'égalité. Aujourd'hui. Si vous clamez l'égalité. Bien sûr, on a clamé l'égalité, mais on n'a pas clamé la fuite de la responsabilité de l'homme. Ça, bon, les hommes seraient donc démissionnaires. Madame, est-ce que vous pensez qu'une femme qui n'arrive pas à trouver un mari devrait accepter d'aller épouser un monsieur qui, quand bien même, il serait déjà marié par ailleurs?
Mais ça ne pourra pas tarder, ça va arriver bientôt, franchement. Est-ce que c'est ce que vous conseillerez à une personne qui viendrait vous dire « je voudrais me marier, je ne trouve pas de mari célibataire ». Si quelqu'un déjà marié et que cette personne mariée peut l'aimer, enfin, c'est à lui de voir la personne qui va la prendre. Parce que s'il est capable de prendre deux femmes, ça dit plus sa femme et celle qu'il est en train de courtoyer, s'il peut les garder toutes les deux, ça dépendra de lui, franchement. La polygamie n'est pas interdite, Lady. En Afrique, la polygamie n'est pas interdite. Vous avez rayé cette logique-là aujourd'hui, nos sœurs. Vous devez avoir pitié de ces sœurs-là, de ces sœurs qui sont là-bas, qui sont dépourvues. Ce n'est pas que... Est-ce qu'on épouse une femme parce qu'on a pitié de son statut de célibataire? Non, 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 on doit accepter que la réalité aujourd'hui, c'est que ce ensemble et se marie. Je crois que ce que Maria Magali Geza affirme, à savoir que les femmes acceptent une coépouse, pourrait être une solution si les femmes se débarrassaient de quelques moyens au niveau égalitaire. Parce que, comme l'a dit mon confrère, beaucoup de femmes ont tendance aujourd'hui à s'affirmer comme les chefs réels, comme on dit en Afrique, elles veulent porter la culotte. Donc nous avons tous lutté pour l'émancipation de la femme aux côtés des femmes. Mais les femmes font des mutations vertigineuses. Il faut alors, que préconisez-vous, monsieur? Si les hommes aussi prenaient les femmes de leur génération, ça allait diminuer les célibats. Qu'entendez-vous par là, madame? Parce que vous allez voir un monsieur Tchambel Gimbayara qui... C'est vice-versa. Un monsieur Tchambel Gimbayara, quand on va lui dire de prendre un homme de sa génération... Une femme de sa génération. Une femme de sa génération. Mais je suis dans cette logique. Non. Vous êtes en train de nous dire que les hommes voudraient bien se marier, mais avec des femmes beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes que... C'est une accusation gratuite. Non. C'est une accusation gratuite parce que quand bien même le même schéma est transposé chez les femmes. Elles sont nombreuses, ces femmes qui sont nanties, qui ont des moyens, qui se payent un plus beau, un mec plus jeune et plus beau. Et si tu ne veux rien... Oh, mais beau, vous savez, elle est beau, sur quel plan? Ça, c'est vrai. On ne généralise pas. Mais oui. Je ne tombe pas dans les généralités. Mais ça, ce n'est pas une généralité, ça, c'est vraiment là. C'est vraiment un débat, une discussion. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. C'est faire une place. Qu'un vieux monsieur, on va dire ça, se marie à une jeune femme. Contrairement à ce que dit ma consoeur, ne pose pas en vérité un problème, surtout au niveau des hommes. D'abord, sur le plan, pour faire un peu de science, un homme, on dit souvent, la science le démontre aussi, un homme n'est jamais vieux jusqu'à 60 ans. Mais une femme est vieille. Contrairement à la femme. Exactement. Une femme, elle est toujours vieille. Elle est toujours vieille. Et comme prendre, se marier en vérité dans l'institution du mariage, il y a des éléments qui sont sacro-saints, c'est créer la famille, faire progresser le nombre des membres de la famille. Donc plus on prend une femme plus jeune, plus c'est sûr qu'on aura des enfants. Voilà ce que ça dit. Ok. Donc tout cela est plus près. Donc mariez-vous à temps et comme ça on va se marier entre nous. La question. Quelles sont les solutions? Oui, c'est une solution. Alors, on va vous donner la parole, Galé Giza. Voilà ce qui a été dit, vous l'avez entendu. Oui. Que pensez-vous qu'il faille faire pour pouvoir apporter des solutions quand même? Pour pouvoir apporter des solutions, c'est dans les deux cas, que ce soit du cas du côté des hommes et du côté des femmes aussi. Voilà, nous les femmes, il faut qu'on se mette aussi dans la tête que, voilà, pour trouver un mari aussi, il faut vraiment, vraiment bien... Poser moins de conditions. Voilà. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire quoi déjà, ça veut dire que pour avoir un mari aussi, il ne faut pas exiger qu'il soit comme ça, qu'il soit le mari parfait. Parce qu'on n'en trouve jamais, on ne pourra jamais trouver un mari parfait. Le mari, ça se fabrique, vraiment. D'accord, pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Vous disiez tout à l'heure que des fois, les femmes attendent d'être aimées avant que de se marier. Pensez-vous qu'il faille se marier et puis de découvrir si on est aimé ou pas? Eh bien, Lady, ça, c'est une question qui est tellement difficile à répondre, mais je vais essayer. Parce qu'une femme, elle peut apporter de l'amour dans son foyer si elle le veut bien. Même si elle n'est pas aimée au départ,
elle peut se marier parce qu'elle a envie de se marier. Donc vous dites, vous êtes en train de nous dire, on peut se marier même si on n'est pas aimé. Même si on n'est pas aimé. S'il y a un prétendant, le prétendant qu'il soit vraiment un homme honnête, je ne dis pas qu'il soit un homme riche parce qu'on ne peut pas avoir tous des femmes, des hommes riches. Si, même s'il n'est pas riche, qu'il soit honnête quand même, qu'il soit un homme sérieux. Mais s'il est honnête, il dira, ma chérie, je ne t'aime pas suffisamment pour t'épouser. Ben, si vraiment il est honnête. S'il est honnête, il va le dire. Il va le dire. Et si avec tout ça, là, il veut te marier, donc là, ça va. Il faut te marier. Il ne faut pas se mettre en tête que, voilà, j'ai ma copine qui s'est mariée à un milliardaire, il faudrait que moi je trouve... Coûte que coûte un milliardaire. Plus riche que celui-là. Plus riche que celui-là. Non, ce n'est pas possible, tu n'auras pas ça. Chacun n'a pas la même chance sur cette terre-là. Donc qu'on se dise ça, qu'on se mette ça en tête et après qu'on aille vers le mariage, mais un mariage sérieux et qui va dans la durée. Alors, Tchambel Guibaera, est-ce que l'amour est un préalable au mariage à votre avis ou pas? L'amour est un préalable au mariage pour ceux qui se sont occidentalisés. Sinon, le reste, c'est dans la concession. L'amour est un préalable quand tu sens que tu es avocat, tu es cadre supérieur et que toi, il faut que tu aimes la personne et que cet amour soit réciproque et qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent. Mais comment vivre avec quelqu'un que l'on n'aime pas, comme vous disiez, vraiment? Si le lien est familial, ça se cultive aussi. Hein. Plus la cohabitation dure, plus on habite ensemble, l'amour, ça peut se cultiver aussi. Ça peut venir petit à petit. On peut s'aimer, on peut apprendre à s'apprécier. Et si cela ne vient pas? Si ça ne vient pas, ça devient difficile et alors donc c'est lourd et malheureusement ça finit par le contraire de ce qu'on a voulu, par la porte de la sortie, et on trouvera toujours l'oiseau qui viendra s'abriter sous son aile et on trouvera toujours cet arbre là sous lequel on va attendre. On va demander à un autre homme du monde ici, monsieur, pensez-vous que l'amour soit un préalable au mariage ou pas? Oui, je crois qu'il faut même que l'amour soit un préalable parce que cela va nous éviter les mariages forcés et des divorces. Et des divorces très prévisibles. Monsieur nous disait, eh bien, il n'y a qu'à se marier, on verra bien si on s'aime ou si on ne s'aime pas. Non, cette logique, pour moi, elle est à proscrire. C'est l'histoire des mariages forcés qu'on nous ramène. Ça ne saurait être une solution, non, surtout je veux pas juste en cette société. Forcé, surtout mais en réalité, si on ne se marie surtout pas, en cette aimez-vous les uns les surtout autres, en cette société qui évolue à un rythme de liberté pour chacun, qu'on soit homme ou femme. Et dans laquelle même on remarque plus particulièrement, pour reprendre mon confrère lui-même, comme dans ses arguments de départ, à savoir que l'émancipation est effective et les femmes voudraient s'affirmer. Moi je crois que au-delà de tout critère sociétaux un peu dur, je crois qu'il faut que, comme l'ont dit les femmes, et les hommes aussi que nous sommes, chacun accepte sa femme qui se présente comme elle se présente et que les deux acceptent de se faire. Roquette, votre mot de la fin. Oui, Lady, aujourd'hui, je vais appeler toutes les femmes du monde à faire un pas en arrière, à se dire que le mariage, c'est un fait. Et on a envie aujourd'hui de se marier. Toute femme inspire à un mariage un jour. Mais le mariage aussi a des contraintes. Il ne faut pas se dire que je vais attendre le mari parfait pour pouvoir me marier. Sinon, tu n'auras jamais un mari. Que toutes les femmes pensent ainsi et un jour, ça ira. Votre mot de la fin, Garidiza. Oui, c'est presque la même chose parce que je l'avais dit auparavant. Voilà. Il faut apprendre à connaître le prétendant qui se présente à toi, toi la femme, et commence à le connaître petit à petit, prendre tout ton courage pour aller vers cette personne et puis vous allez vous compléter un jour. Ça va aller pour le mieux. Nous allons finir avec notre petite chronique. C'est Mariam Koné qui a quelque chose à nous dire. Et pendant ce temps, on regarde quelques images de ce que vous faites artistiquement. A tout de suite.
Voilà, c'était sur la pénurie des maris. Nous recevons Mariam Koné qui vient nous faire une petite chronique. De quoi nous parlons, Mariam, aujourd'hui? Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cybersexisme. Alors, au premier abord, ce mot allait complètement barbare. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer en plus en détail. Dans cybersexisme, qu'est-ce que vous reconnaissez? Le mot cyber, tout ce qui a rapport avec que soit les réseaux sociaux, tout ce qui est virtuel. Ensuite, le sexisme, qui est le fait de dénigrer quelqu'un sur son genre, qu'il soit féminin ou masculin. Donc le cybersexisme, c'est du sexisme, mais en virtuel. Parce qu'il faut savoir, depuis ces 30 dernières années, l'évolution des réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, va à une vitesse grand V. On ne sait plus où s'arrêter, on ne sait plus où regarder. Donc alors le cybersexisme concerne surtout les jeunes entre 14 et 25 ans, qui sont exactement 92% à être inscrits sur les réseaux sociaux, dont 23% à être inscrits sur 4 réseaux sociaux en même temps. Donc c'est vraiment... C'est beaucoup. Énorme. Alors qu'est-ce qu'ils doivent craindre pour que les parents qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut redouter? Eh ben, c'est parce que le cybersexisme, ça se décline sous plusieurs formes. Alors il y a d'abord les insultes. Sur les réseaux sociaux, on prend une personne comme bouc émissaire et on commence à l'insulter. Exactement. Plein. Ensuite, il y a les commentaires humiliants sur les photos qu'on peut poster. Les moqueries, l'usurpation d'identité, par exemple avec Facebook, lorsque quelqu'un crée un Facebook avec votre photo ou avec votre identité. Donc, toutes ces formes d'usurpation, de sexisme, ça existe. Et pour protéger vos enfants... La question. Comment fait-on pour protéger les enfants? Ce que je conseillerais aux parents, c'est de mettre un code parental à l'accès à Internet. Par exemple, c'est pour les enfants, mais des fois, les parents ne savent même pas se servir des ordinateurs. Ouais. Qu'est-ce que vous préconisez? On va finir dessus. Bah justement, avec les opérateurs qui maintenant sont à l'écoute énormément des gens qui ne savent pas trop utiliser cela, l'opérateur peut le faire à la place des parents. Donc si vous ne savez pas comment faire pour mettre un code parental à votre Wi-Fi ou je ne sais quoi d'autre encore... Vous demandez à l'opérateur. Exactement, et il fera tout pour vous. Merci beaucoup Mariam Koné, merci à vous trois, à vous quatre, avec Galé Djeza qui était avec nous. Je vous rappelle la date de son concert, c'est le samedi 23 mai 2015 au Moulin Bassé, 12 chemin Moulin Bassé, c'est dans le 93 à Saint-Denis. Merci pour votre participation à cette émission et puis bon courage pour celles qui cherchent des maris. Au revoir.